Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le séminaire sur le cash a coûté cher et il ne s'est pas passé grand-chose après. Alors, nous entendons souvent cela dans les entreprises, ça revient fréquemment, et nous, chez Objectif Cash, nous sommes souvent sollicités pour participer à des séminaires organisés par des directions générales d'ETI ou de grands groupes ou par des directions financières. Je plante le décor, la direction a des messages à faire passer à propos de, par exemple, la mise en place d'une nouvelle organisation ou une nouvelle année budgétaire. Donc, elle bâtit un programme de séminaire. Et puis, à un moment, quelqu'un a une idée en disant, voilà, bah, il faut peut-être en profiter pour remettre une petite couche, un petit rappel sur le cash. Alors, le programme est bâti, on cherche un moment où on peut passer ces messages, et puis voilà, on dégage une heure dans le programme entre la visite du marché aux fleurs et le tournoi de tennis. Voilà, je caricature à peine. Donc voilà, tout le monde est content, on a dégagé une heure trente dans le programme pour faire cette piqûre de rappel sur le cash. Tout le monde est ravi, la direction se dit, voilà, elle se donne un petit peu bonne conscience, ben, on aura fait quelque chose sur le cash. Voilà, alors nous, chez Objectif Cash, ben, on ne travaille pas comme ça, on ne pense pas qu'on peut résoudre des problématiques fondamentales sur le BFR, sur le cash ou sur l'optimisation de la trésorerie opérationnelle en une heure ou une heure trente entre deux activités festives ou ludiques. Améliorer la trésorerie opérationnelle, ben c'est de la gestion de projet et bien évidemment il faut déjà savoir d'où on part, où on veut aller, quelles sont les étapes, il faut réunir les gens, toutes les équipes sont déjà sûrement occupées, elles ont des freins, qu'est-ce qu'elles ont à gagner, qu'est-ce qu'elles ont à perdre, est-ce que dans le séminaire les équipes commerciales participeront ou pas, c'est quand même un élément clé de la réussite d'un projet sur le cash. Donc, quand on fait la somme des choses auxquelles il faut penser, travailler en amont, améliorer le BFR en entreprise, ça relève plus de la gestion de projet que d'un séminaire où une heure trente passée à la va-vite avec les équipes entre deux autres activités. Voilà, et j'insiste vraiment, mettre en place un projet d'amélioration de la trésorerie ou de sensibilisation, eh bien, il faut vraiment qu'on ait un point de départ, des objectifs et que ça soit clair quels seront les outils, les supports, les KPIs, qui va gagner, qui peut perdre éventuellement. Si on ajoute du travail dans un domaine, est-ce qu'on va en retirer aux personnes dans un autre domaine? Voilà, donc beaucoup de préalables avant, je dirais, la présentation formelle dans un séminaire. Réunir les gens et parler de la théorie sur le cash, ça n'intéresse personne et je vous signale que nous, nos clients chez Objectif Cash, ils savent déjà. Le sujet, c'est vraiment comment on y va, quelles équipes sont impliquées, qu'est-ce qu'on y gagne et comment on s'organise. Donc en résumé, améliorer la trésorerie opérationnelle, ça ne dépend pas du bagout du consultant ou de la qualité de ses slides. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faut y consacrer du temps, il faut réunir les gens. Il faut que les gens puissent s'exprimer, expriment leurs contraintes, expriment leur lassitude par rapport à la charge de travail. Et donc voilà, nous chez Objectif Cash, on mène les projets en équipe et on gère ces projets comme on gère tout autre projet en entreprise.